Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver sur Phantom Doctrine, on poursuit notre aventure, on va voir un petit peu ce qui se passe, on a une reconnaissance en cours, ça se finit dans 4 heures, très certainement après un assaut à faire, on a du monde en mouvement, oh, ici, alors, interrompre l'opération, on va envoyer hop, acrobate et un pavide, on va commencer la mission, j'espère qu'on va pouvoir éviter l'assassinat. Cachette potentielle, ah, plus souvent, ok. Donc on va lancer une nouvelle recherche. Je vais chercher le réseau de transport, on peut voyager plus vite. Et on est reparti. Alors ici, 15h, assassinat dans 14h, ça devrait être bon. Ok, Oxide et Reden plus 10. Alors Oxide, on va peut-être le faire, le rapatrier, simplement parce que on aura une formation à lui donner. Alors ici on a, hop, je vais envoyer Moré ici. Et là, il nous reste 0 heure. Ça affecte les revenus de moins 10. Ok. Et on a du monde. Ok. Alors, il y a une petite mise à jour. Regardez, on peut supprimer tous les agents. Donc, enlever tous les agents. Supprimer tous les soutiens, si on veut. Ou rendre les objets disponibles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien si on veut vraiment faire un clean et repartir sur quelque chose de propre. C'est plutôt sympathique. Alors, on va mettre Ramur en couverture. Apollon aussi, comme d'habitude. Ok, ils sont tous équipés, plus ou moins bien. Je pense pas mal. On a pu déjà mettre les gilets lourds, donc ça c'est plutôt chouette. On a deux agents infiltrés. On a de quoi crocheter, au moins sur trois agents, donc ça c'est bien. On peut crocheter trois portes. On va lancer la mission et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on va attaquer un grand centre du complot. Attendez-vous à des mesures de sécurité strictes et à une forte résistance, y compris des agents ennemis. Ok. Éliminer les chefs de la cellule, évacuer. D'accord, donc il va falloir qu'on élimine tout le monde. Très bien. Alors, on a eu la reconnaissance. Du coup, on sait qu'il y a quelque chose tout de suite ici, c'est bien. Là, le contrôle des caméras. Ok. Là, contrôle des caméras et des choses à ramasser. S'il n'y a pas trop d'étages, moi ça me va. Là aussi, il y a quelque chose. Oh, il y a deux trucs là. Donc, en bas, il y a pas mal, mal de choses. Ça change. Encore ici. Il y a un étage. Ok, dans ce bâtiment, c'est la tourelle de surveillance. En haut, il y a quelque chose. Au milieu, il y a quelque chose. Très bien. Oh, il y a énormément de choses. Ce qui peut être bien, c'est de trouver des nouvelles molécules pour doper un petit peu nos agents. Ce serait sympa ça. Alors, soit on arrive là, soit on arrive là. Il n'y a pas de caméra par ici. On va peut-être tenter ici. Ok. On va mettre quelqu'un à l'est. Le soutien, simplement comme ça, attaque. Il pourra peut-être voir dans la grande tour. Quoique au nord, ça peut être bien aussi. Mettre ici. Ok, c'est parti. Ok. Préparez-vous à un combat difficile. 9 agents en opposition. Alors, on va déjà voir autour d'Apollon. Ok, un agent de 45 ici. 35 points. La 35, ça va, c'est gérable. 96, qui c'est? Pépin, le bref. 96, on va pouvoir le gérer avec... alors, Oxide. Oxide, il y a 101 points, ça c'est bien. Ramur, c'est bon. Ok, donc même Oxide, il pourra prêter un petit coup de main là-dessus. Oula. Il va vite falloir se barrer, parce que sinon il va vite arriver. Ok, donc Apollon déjà, elle va venir s'occuper de ça. Ok. Déjà ça, c'est pas mal. Lui, il va par où? Lui, il va par là. Donc nous, il faut qu'on se barre. Par ici. Il va là.
En 1, on peut venir là. Il n'y a personne de plus ici. On va venir récupérer ça. Ok. Balle perforante et un G3. Oh, excellent. On va voir 6 documents et 7 butins récupérés. C'est costaud. Alors, Raiden, il va déjà venir à l'intérieur. Ok, on a un agent ici qui va venir par là. On va refermer la porte. On va être obligé d'y passer. On va aussi venir par là. J'aurais peut-être dû envoyer... Je vais envoyer Oxide avec. Vraiment, parce que s'il y a un agent à maîtriser... Comment ça va? Pourquoi il bouge pas plus, lui? Il doit pas avoir beaucoup d'endurance. Très bien. Et Mystère... Mystère va monter par là. Ok. Bon. Alors. Bon. Il n'y a personne ici. Lui, il voit pas là. La caméra, c'est pas un problème. Ok. On va être là, hein. Il n'y a personne à part lui. Et qui revient. Ok. Oxide va venir par là au cas où. On va être par deux, hein, c'est juste pour se couvrir. Bien entendu. Raiden. Alors ici, le gars il doit être par là. Ah. Là on a un agent qui vient ici. Donc potentiellement il peut être vu. On va venir se mettre à la fenêtre. Ouais, l'autre il est là, donc il va revenir là. Si on s'en occupe, lui il va venir là, il va le voir. On va attendre. Apollon. Alors. Vous n'avez pas de deux agents dans le coin. Ok. Oh. On a aiguille. Ok. D'accord. Sans. Donc c'est bien. Ils sont deux, on va pouvoir s'en occuper. 2, 3, 4. 5. Pour le moment, on n'en voit que 5. Ok. Bah on va peut-être venir se planquer là. Parce que l'autre est dans le coin. Lui par où? Lui part par là-bas. Ok. Donc on va venir se mettre ici. Ok, il est là. Et il fait ça, il fait des petits mouvements. Lui, je sais pas s'il fait le tour de la tour, justement. D'ailleurs, on a un escalier ici, ça c'est plutôt cool. Donc Apollon, elle va venir par là, mais elle pourra faire le tour. C'est un sacré détour. On a un peu le temps. Normalement, ça passe si on vient par là. Ouais, 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 on est large. On va venir s'occuper de ça. Et Ramure... Ramure, le problème, c'est que j'ai pas envie qu'elle soit vue non plus. Mettre à l'intérieur ici. Ok.
Ok, alors. Ah oui, lui, il est chaud, lui. On en a un ici. Deux. Trois. Quatre. Le deuxième agent, 5. 6. 7. Ah, où sont les autres? Où sont les autres? On en a 7 déjà. Bon, nous on est infiltré, on peut passer là. Un document à RP4, ok, parfait. Et on peut éteindre tout ça. Ah, on n'a pas éteint celle-là. Intéressant. Intéressant. Lui va où? Il revient là. Ok. J'ai presque envie de rester dans le coin pour l'observer. Et lui, il va où? Il revient ici. Ok, les deux vont être par là. On va aller me planquer. Là, ça devrait être suffisant. Normalement, oui. Alors, Eden qui est pas content. Sacrée visibilité, quand même. Lui, il va où? En 1, on peut récupérer ça et ressortir. Moi, je dis ça se fait. Ok, parfait. Et ressortir. Nickel. Mystère, non, elle peut pas s'occuper de ça encore. Mystère, elle va rester par là pour ce tour. Alors, Calico. Calico, elle est là. Mais ici, il y a quelque chose. Très bien. Lui, va où? Lui, il repart. Donc, on peut potentiellement venir jusque là. Ok, il y a un autre garde ici. On était à combien? 7, ça fait 8. Donc, Oxide. On va t'approcher un petit peu, s'il te plaît, pour qu'on ait un visu sur les deux. Donc on est à 8, il en manque toujours un. Donc on a les deux gros, on va essayer de s'en occuper. Alors il va peut-être falloir qu'on neutralise celui-ci. On planque le corps. On sera à 50% d'infiltration, et on s'occupe des deux gros après. Ils sont où les deux gros? Je sais pas, et au moins... limite, on va planquer les corps quelque part. Avec les autres, on peut s'occuper des petits mignons. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ok. Reporting. On a dit là. Tant qu'on a les caméras, on est bloqué. On puisse s'occuper de lui. Et lui, il revient par là. Lui, il va aller là. Bon, là, c'est un peu tendu du coup. Donc on patiente. On va tenter de passer là. Il n'y a personne à l'intérieur, donc on peut déjà prendre ça. Voilà, parfait. Ramure. Alors, lui il vient là, et lui il repart par là aussi. Ça, ça fait pas mon affaire. Mais du coup, je peux rester par là en observation.
Ok, oxyde. Donc là, il y a un garde. Lui, il fait quoi? Lui, il repart, c'est pas un souci. Et lui, il fait sa ronde autour ici. Très bien. Ok, on a Apollon ici. Alors, elle. Elle peut venir là sans problème. Elle est dans le dos de lui, parfait, il n'y a pas d'autre. Ok, petit coup de stress quand même en passant, mais tout va bien. Tout va bien. Ok. Alors, Miss Calico. Elle veut venir ici. Parfait, 6 butins sur 7. Hop, alors lui il est ici. Là on n'a plus de visuel sur les deux autres. Même si on prend Ramur. On vient par là, est-ce qu'on a un meilleur visuel? Ok, on a lui qui part par là. Bon. Est-ce qu'il va faire le tour? C'est une bonne question. Mais du coup, potentiellement, l'autre, elle peut revenir. On va revenir se planquer ici. Beaucoup d'observations, hein, mais c'est vraiment le meilleur moyen pour s'infiltrer correctement. Ok, alors est-ce que l'autre est revenu? Lui il est là, 96, il revient par là. Ok. Ah, lui, il m'ennuie quand même. Ok, Calico, elle est là. Lui, 45. Ok, suite 100. Elle va venir ici. Lui il part là-bas. Ramur. Elle pourrait venir se planquer là. Et venir l'intercepter après. Par contre, celui de 96, il revient par là. Yeah. Pas pouvoir les avoir au prochain tour, je me suis trop éloigné. Zut. Avec Reden peut-être.
Et du coup, on va voir lui. Non, on sera vu. Hein. Compatiente. Un tour de plus. Alors, elle, elle vient là. Donc, ramure, elle est mal placée. J'espère que ce sera suffisant. Apollon. Elle peut pas venir là. C'est fâcheux. Elle peut venir là. Alors, Calico, on va déjà aller voir Apollon. Donc, elle est là, elle repart. On n'a pas de visuel sur l'autre. Je serais bienvenu ici pour déverrouiller cette porte. Ah oui, mais elle, elle peut pas. Par contre, Calico, elle peut. Pas non plus. Zut. Zut, zut, zut. Ok. Bon. Là, il y a une caméra. Donc, si on vient, on est... On est foutu. Sylvie, il reste là. Elle peut revenir dans le coin pour aller s'occuper après du garde ici. Ça, ça peut le faire. Et on sera pas à portée normalement de la caméra. Si. Zut. Ok. Pour qu'on neutralise les deux agents de toute façon. Donc, Ramure. Tu vas te rapprocher par là. Les petits mignons, c'est pas grave s'ils nous voient. Par contre, je vois toujours pas l'autre et ça m'inquiète un peu. Mystère, tu peux venir jusque là s'il te plaît, faire un peu de repérage. Il doit être par là, je pense. On le voit pas, c'est tout. Lui vient là, mais potentiellement il peut voir le corps. C'est compliqué, hein, mais faut qu'on éteigne ces caméras de toute façon, sinon on est coincé avec tous nos gains. Venir voir là, faire un peu de repérage. Ok, lui est ici, il va là. Et elle, elle va là. Donc, on peut même venir par là. On sera pas vu. Ok. Du coup, Calico... ouais, bah elle reste là. Hein. Tant qu'on n'a pas défait les... Après, on est bête, on peut passer là. C'est là, et après, hop, on passe par la fenêtre et on vient récupérer l'agent. Super. Bon, je suis désolé, hein, je prends mon temps, mais... Si je le fais pas... on va pas s'en sortir. Du coup, je suis en face de la fenêtre. Ça, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Quoique, elle, elle repart par là, lui, il va retourner faire son tour comme ça. Ok. Donc, un mur, elle va courir jusque là. Ok, on va s'occuper de lui.
elle, elle va être là et elle va revenir. Donc, quand elle vient là, Apollon ici, elle est en pleine visibilité. Ah bah oui. On peut faire ça, ça aidera. J'aurais pu le faire depuis un moment. Voilà, ne criez pas au scandale tout de suite, s'il vous plaît. Ok, du coup on est tranquille de partout. Super. Reden, il va rester là pour s'occuper de lui. Mystère va s'occuper de lui. Oxide, il va rester ici pour s'occuper d'eux. Ok. Bon, alors. Là, on voit pas. Lui vient jusque là. Vient jusque là. Ouais, après, de toute façon, il reste dans le coin. Potentiellement, on peut venir là. Ok, on n'est plus en intrusion, donc on aurait pu rester là. Lui, il reste par là, ok. Ici, on n'a pas de visuel sur... du coup, je vais j'envoyais Reden là. Ok. Elle est là, elle repart par là, et lui, il est ici. Ah oui, parce qu'attention, il y a lui... Ah, on peut pas la choper là, sinon il va nous voir. Ok. Donc elle, elle vient jusque là. Lui, il va jusque là. Donc Ramur, elle vient jusque là. Elle va gagner un petit peu de latitude. Elle pourra se faire elle. Lui se fait lui. Calico. Elle se fait lui. Lui, il vient là. Lui, il bouge pas. Oh, il y a un agent ici. Ah, qui risque de nous voir. Reden, il se fait lui. Mystère, elle se fait lui. Alors, lui, il est là, il vient là. Oxide. Il est où l'autre? Il doit être planqué là derrière. Lui il part là. Et lui il part là-bas. Alors potentiellement, avec Oxide, faut peut-être qu'on en profite. Pendant que lui est planqué. Comme ça on se le fait maintenant et on planque le corps au prochain tour. Lui il sera là, il devrait pas le voir. Ok, infiltration 50%. On va rester comme ça. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, il aurait vu le corps ici. Ok, alors. Ah, qui c'est qui nous voit? Lui nous voit. Lui, il vient là. Elle, elle regarde là. Ah, potentiellement, elle voit lui. Alors, lui, il va par où après? Après, c'est pareil, hein, on peut patienter un tour de plus pour faire les autres. C'est pas dramatique. On va déjà commencer avec Oxide. Qui va planquer le corps. Voilà. Parfait. Ensuite, Apollon, du coup. Elle vient se le faire, lui. Ah,
Elle se barre ici, donc c'est bon, faut qu'on en profite. Ok, parfait. Calico. Ouais, non, c'est bon, sinon j'aurai la petite alerte rouge. On ouvre la porte. Bim. Non, il n'y a pas de porte. Oh. Mystère. Il va bien se le faire, lui. Nickel. Reden. Il vient neutraliser lui. Parfait, 6 sur 9, ça c'est très très bon. Et lui il va venir par là, donc nous on va se diriger vers lui. 7 plus les deux qui sont dans la tour, on a nos 9, parfait. Maintenant faut juste prier très fort pour que personne ne découvre les cadavres. C'est passé. Oh, j'en reviens pas. C'est passé. Bon, on va planquer les cadavres, hein. Je vais faire une petite ellipse. Alors lui, on va le stabiliser déjà. Ok, parfait. Alors, lui il est là, l'autre, je sais pas trop si elle revient par là ou pas. Et de toute façon... ouais. Alors il y a ce civil là qui me dérange un petit peu, celui-ci aussi. Allez, on va stabiliser lui. Parfait. Il va falloir qu'on les enlève. C'est là où Reden va intervenir. Adan, il peut faire un effort. Il peut faire un effort en plus. Donc c'est nickel. Donc il va déjà venir jusque là. Prochain coup, il récupère l'agent. Ramur. Ramur, faudrait qu'elle grimpe. Elle va venir par là. Apollon, elle va faire pareil. Ok, ces autres agents qui vont venir récupérer un Calico. Elle peut faire un effort aussi, donc du coup, prochain coup, elle va venir récupérer lui. Elle peut déjà se placer. De toute façon, si on repère le corps, on va la repérer elle. Mystère. Planquer le corps, non. Non, pas besoin. Par contre, tu vas venir aider pour te débarrasser des civils. Ok, et il nous reste l'anioxyde. Alors lui, on sait pas s'il bouge, et lui, pas l'impression qu'il bouge aussi. Et il y a lui qui se balade aussi, bah... Juste espérer que ce soit bon. What
Parfait. Parfait. Allez. On récupère l'agent. Nickel. Tu vas par où? J'en sais rien, parce que l'évacuation, on a dit non, pas par là. Et par ici. Ok, donc il faut que tu viennes là. Capacité, effort pendant deux tours, s'il te plaît. Bonus de mobilité. On vient par là, parfait. Reden. Un petit bonus de mobilité aussi. Ok. Il vient récupérer l'agent. Allez, je reprends, désolé, j'ai une petite interruption IRL. Alors, on a récupéré Reden, il peut plus monter, il peut plus bouger, je veux dire. On peut déjà venir jusque là. Ok, Ramur. Ramur, elle peut grimper aussi. Normalement, les deux agents qui sont en haut sont des petits agents. On va faire attention parce qu'on a le civil aussi. Elle, on va pouvoir l'accueillir directement ici. Faire attention qu'il ne nous regarde pas. Oxide, du coup, hop, il se débarrasse du corps. Il va falloir que je refasse Oxide quand même. Hein. Il y a une sacrée gouffa et... Là, il a pas de cheveux. Donc, il reste que les deux agents. Et on a dit, on exfiltre par ici. Ok. Et bien voilà, tout le monde est dans la zone, on vérifie, hop, au cas où, on fait un petit pas de plus. Voilà, tout le monde se fait des câlins. Et on se barre. Mission accomplie, c'est une réussite, on a tout l'équipement, on a pu enlever
deux agents ennemis, donc ça va leur faire encore un peu mal. On a réussi à sauvegarder nos 6 agents, on est très bien. Allez, on continue. Alors, on a des balles perforantes. Oh, excellent. Ça, c'est chouette. Le G3, un canon hexagonal. Ça permet de faire plus de en dégâts. Excellent. Super, ça. Des armes qu'on va pouvoir revendre à M12. Ok. On a pépin. Et on a aiguille. Ok. Contact commercial pour des stimulants. Et bien voilà. Regardez. Tactique de domination rapide niveau 3. Excellent. Ça, c'est génial. Molécule chimique EPO. Ça, c'est bien. Eh, hey, quand je vous disais qu'il fallait un stimulant pour mes agents. Programme spatial. Ok. Nouveau talent. Regardez tout ça. Génial. Ça commence à payer, hein. Ramure plus 375, c'est énorme. Alors, amélioration physique. On a BMA aussi. Oh, alors ça, ça va bien le booster. Et ceci... Ah, ça baisse la coordination. Ça influence les points d'action, la régénération d'acuité et le coût de l'esquive. Voilà, pour le moment, on perd un peu de coordination, mais l'acuité reste bonne. On est à 90, on est à 96. Avec le BMA, on prend 5 points. Et avec celui-là, on en prend 7. Alors, si on fait le BMA plus le PO derrière... Oh, ça peut être énorme. On va déjà, hop, la signer. Alors, 2 agents ennemis. On va s'en occuper tout de suite. Ok, lui, toujours pas. Hop, interrogatoire, on va la signer. Et puis l'autre, ben on va attendre un petit peu. Alors, quartier de l'équipe, du coup, lui, il est arrivé. On va pouvoir, coup sûr, il ne peut pas être esquivé. Restaure les PA lorsque vous tuez instantanément des personnages étourdis. C'est sympa, ça. On pourrait peut-être prendre ça d'abord. Et ensuite faire ceci. Parce que là, il a déjà le niveau 1. Ok. Empathie et pour l'exemple. En fait, il faut qu'on passe par le niveau 1 avant de passer par le niveau 2. De toute façon. Parce que sinon, on perd des capacités supplémentaires. On pourrait aussi se former à l'entraînement des armes à feu. Opération urbaine. Peut-être pas besoin. Je vais le faire en armes à feu plutôt. Je vais commencer par les combats tactiques niveau 2. Ok. Ramure. Elle a un nouvel... Un nouveau talent, danseur, tête de bois, spécialiste des arts martiaux, équipement, ça améliore le temps de rechargement, réduit le coût en acuité de la neutralisation. Alors ça, vu le type d'agent qu'on est en train de faire, c'est assez bon pour elle. Augmente la zone de déplacement. Ah, ça c'est excellent. Et sens du combat, augmente l'acuité maximum, ça peut être bien aussi. Elle est combien en acuité? 85. On va prendre ça, elle passe à 105, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Alors, Domino, c'est pas trop où elle est. Apollon, hop, elle a un petit talent à prendre aussi. Acuité, par contre, elle est qu'à 78. Hein. Calme, améliore la régénération d'acuité. Acteur, peuvent la repérer. Ah, ça, c'est bien. Je vais lui prendre ça, vu qu'elle, elle va être souvent en infiltration de toute façon. Et on peut la former niveau 3. C'est parti. Ok, bon, on va en rester là pour le moment. Alors, E2, Raskas, il est niveau combien? Il est niveau 3 pour le moment. Il prend pas trop d'XP, du coup, en ne bougeant pas. Et Pieuvre, c'est pareil. Je pense que c'est dommage de l'avoir à la falsification. Il vaudrait mieux un agent un peu plus léger. Acrobate. Et du coup, elle prendra jamais de niveau non plus. C'est fâcheux. Bon, vous savez quoi, de toute façon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, quand même. Ici, je pense qu'on va annuler, enfin, on va pouvoir interrompre l'opération, donc il n'y aura pas de souci. Et prochain épisode, bah écoutez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a au tableau d'enquête. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne continuation à toutes et à tous. Je vous fais plein de bisous, et je vous retrouve très vite. Bye bye.